Vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, je touchais avec un crochet gauche déjà. Arme principale alors. D'accord. Je bouge un peu moins, j'essaye de rester un peu plus sourd. Tu peux une bataille de direct du gauche. S'il fait 16 heures, faut que je là, vous y croyez déjà. Ouais, voilà. Et là, vous là je précipite un petit peu. Ah non, Il est en perdition. Mais c'était très dur à toucher aussi, après il montait bien ses mains. J'aurais dû peut-être insister un peu plus en bas, bah non, j'ai encore en bas. Encore en bas. Mais c'est là où j'ai perdu énormément de force parce que je me suis déchaîné après. Vous le sentiez au bord du chaos, ça c'est sûr. Ouais, tout le monde le sentait au bord du chaos. Même au deuxième round, genre le fait droit, tout. Voilà. Et là vous croyez que c'est fini. Ah, il montait bien ses mains, j'avais du mal à toucher. Il était très courageux parce que... C'est sûr, avec la tête qu'il avait. Là, là j'ai usé pas mal de force. Ouais. En tout cas, c'est une première reprise qui était vraiment très vite. Hein. C'est la même d'espérer un dénouement rapide, notamment au cours du deuxième round. Jean-Claude Échinger nous remonte la première intervention de la roue visage de Minton. On va tout de suite voir si celui-ci... Bon direct du première reprise. Dans cette première reprise, Roger Isabel se méfie. Il va y réussir cet entre. Il était au bord du chaos, Minton, et puis il s'est refait une sang. Oui, enfin une bonne droite là de la part de Christophe Tiozzo avec. Oui, bonne droite encore. Chaque fois que Tiozzo peut donner sa droite, c'est indiscutable. Voilà, comme ici. Encore une qui est bien passée. Et voilà ce que l'on croit très sensible. Il faut dire qu'il a bien pris les droites de ce côté-là. Sans problème, ce combat avant la limite. Oh, quel... Il a gagné la deuxième reprise que vous venez de voir, avec notamment de bonnes droites comme celle-ci. Tiozzo bien été retransmis sur Terre de Gloire, la plus belle victoire de troisième reprise donc. Ouh, bon gauche là de Minton. Minton. Ah, il a l'œil gauche. Voyez, bon crochet par de Christophe Tiozzo. Bon, les Minton. Oui. Deuxième là. C'est-à-dire que de ce côté-là, il a un œil pratiquement fermé et ensanglanté. Bonne droite. Sur l'américain. City n'a pas pu boxer pour le médical. C'est du gauche, il passe bien. Oui, grand malheureusement. Bon crochet gauche, là vous voyez, c'est deux. De ne pas se précipiter et d'essayer de boxer lucidement. Très bien fait. Bonne droite. Dans ce direct du Gourville dans le courant de l'automne. Dans les gants malheureusement. Voilà. Encore en difficulté.
et des bonnes esquives rotatives. Se jette l'Américain. Oula, elle a bien touché aussi, c'est là. Une deuxième. Oula. Reste 40 secondes dans cette cinquième reprise. Encore une droite qui est arrivée. Frank Minton, il est très lucide et il mène son combat. Cette série de coups encaissés par l'Américain dans les cordes. Sixième reprise, Minton sera encore debout. Il les aura bien. Pratiquement à tout coup, à travers de. Christophe qui a l'intelligence de la boxer. S'il doit mettre cet Américain tout naturellement. Un bon coup au corps de l'Américain. De suite. De la part de Christophe Tiozzo qui accélère, encore une droite. Oh, il est mal, il est mal, il est même très mal, Frank Minton. On est à la fin de cette. Oh, il est en sérieuse difficulté. Le coup de gong qui va marquer, le voilà, la fin de. Avec un. Regardez ce regard métier maintenant. Il a acquis les francs depuis le début du combat. Il n'a que 26 ans, c'est jeune. C'est son troisième combat chez les super moyens. Catégorie dans laquelle on retrouve des noms et pas des moins. Pureté dans ce. Avec son coup de gauche qui se promène. En fait, on lui fait un petit trou et on aspire ça. Plus en plus marqué. Reprise alors qu'on en est à la 7ème. Pourquoi? Mais non, il fait toujours face à Tusser avec beaucoup de courage. Tiozzo, il. Le jeu est important pour lui. Oula! Il fait chaud dans cette salle de théâtre. Et encore une droite, il cherche la. Frank Minton.